Ah, donc du coup, ouais, ça, je suis chef de produit et donc je gère une application web où en fait je vais pouvoir prioriser les demandes des utilisateurs pour améliorer justement l'application et donc l'améliorer avec les demandes des utilisateurs pour que ça corresponde toujours à leurs besoins à eux surtout, mais assez centré utilisateur. Et donc ça en fait ça suit en fait des cycles de développement où en fait je vais suivre un petit peu l'avancement des développeurs sur les évolutions qui ont été demandées et puis après bah, pouvoir les livrer au fur et à mesure aux utilisateurs. C'est d'être un petit peu polyvalente, et du coup c'est ça de gérer un petit peu tout, d'être en contact et avec les développeurs, avec les clients, les utilisateurs, avec des personnes d'EpiConcept pour des sujets un peu techniques. Et puis voilà, ce qui me plaît vraiment, je pense, c'est d'aider les utilisateurs, c'est d'essayer de répondre au mieux à leurs besoins pour qu'ils soient contents et satisfaits d'utiliser notre produit chez EpiConcept. Je suis super contente, du coup on a découvert une nouvelle culture, on a découvert pas mal de choses sur l'île, et du coup ça fait toujours plaisir de sortir un peu de sa zone de confort, du coup je trouve que ça fait un peu d'aventure. Et surtout les randonnées, il n'y a pas vraiment de ville à proprement parler. Et après, il y a ça, les piscines naturelles, donc c'est des piscines qui ont été creusées, faites dans la roche par l'océan. De rigueur, mais si, c'est de la rigueur envers soi-même. C'est ça pour quand même se motiver du coup, à se lever, à travailler à distance, alors qu'on sait qu'on est un petit peu tout seul. Et du coup, ça, je pense qu'il faut quand même de la motivation, il faut avoir l'envie d'avancer et d'apprendre. Donc du coup, ça permet de se connecter tous les jours, de continuer à travailler. Et du coup, en plus, après, d'aller découvrir des nouvelles choses dans un autre pays après le boulot ou les week-ends. Et du coup, ça, après, pour gagner la confiance, je sais pas. J'ai pas fait grand-chose, mais c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment être impliqué dans son travail. Et surtout, je pense, aimer ce qu'on fait. Parce que du coup, si on aime ce qu'on fait, c'est plus facile de se lever une heure plus tôt le matin. Donc du coup, ça, c'est agréable. Et puis je conseille quand même à tout le monde d'aller découvrir un pays 3-4 mois. C'est toujours agréable, je trouve. Ouais, bienveillance, collaboration et équité. C'est les trois mots qui me viennent comme ça en tête. Que nous qui devons nous adapter à l'entreprise, c'est vrai que ça c'est agréable de pouvoir se dire, je fais pas comme je veux, mais je peux avoir mes choix un petit peu de vie professionnelle et de vie personnelle et pouvoir du coup tout en travaillant pour une entreprise qui est très intéressante, je trouve, au niveau humain. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est du coup, je peux mêler un petit peu vie personnelle, vie professionnelle sans vraiment avoir peur que ça impacte ma vie personnelle ou que ça impacte ma vie professionnelle parce que je sais que EpiConcept est toujours derrière moi pour supporter un peu mes choix de vie aussi, quoi.